qu'on arrive là. T'es où ce matin là? J'étais sur maman journée, ce soir. Non, elle est pas là, maman. Elle est pas là. Ah, j'avais poney ce matin. T'avais poney? Ouais. À quoi poney? C'est la nouvelle activité, à quoi ballon? C'est sur les nouvelles disciplines au JO. La vie de bénévole à la JAL, ça se passe comment? Ça se passe bien, c'est nickel. Pour l'instant, tout va bien. Bon, toi, ta mission, c'est quoi? Ma mission, une question. Installer le bar, pour commencer. Et une fois ça, que ça sera fait, ça sera bien. Nous, on est des bénévoles. Voilà. Vous aussi, vous êtes des bénévoles? Ouais, ça fait pas longtemps qu'on habite là, ça fait 5 minutes. Ouais, canon. Bon, et déjà, on vous a recruté? Oui, voilà. Ouais. Après, des clients, il faut des clients, il en faut aussi. On recrute des clients. Parfois, il est beau, quoi. Donc moi j'étais président de la JAL il y a quasiment 18 ans, puisque j'avais 18 ans. Et à l'époque c'était juste en fait dans l'optique de poursuivre un peu la pérennité du local qui permettait aux jeunes de se retrouver, d'échanger, de jouer aux cartes, de passer des soirées. Et puis au fil des ans en fait ça s'est devenu quelque chose de vraiment assez costaud et je remarque avec plaisir en fait que les jeunes reprenants de l'asso ont donné vraiment une dimension vraiment beaucoup plus vaste et énorme, un rayonnement quasi national je crois aujourd'hui, et ça fait vraiment chaud au cœur de voir que la sauce existe et qu'elle vit sa belle vie. Donc 50 ans c'est quand même un bel âge, donc il faut aller marquer l'événement pour mettre à lumière tous les gens, les plus anciens ont 70 ans de l'association et les plus jeunes ont 18 ans. Que tout le monde se retrouve et fait en beauté, et qui de mieux comme Massilia pour rassembler tous les âges, un groupe intergénérationnel. C'est, je pense, l'âme de Sauveterre, d'un bénévolat qui a toujours traversé les générations et qui continue encore. Aurélia, c'est la nouvelle arrivée à la JAL. Alors l'ambiance pour ce premier coup de feu avant les tambours du Bronx. Eh bien c'est top, les bénévoles ils sont très actifs, du coup ça permet de rester motivé et puis avec le temps qu'il fait ça va être génial je pense. Donc voilà. Bon et le fait qu'il y ait des bénévoles de tout âge, qu'est-ce que ça t'inspire? Ben, c'est génial, je pense que c'est le but d'une association, de mélanger les générations. Et là, ça fait vraiment plaisir de voir que le Benjamin, ben, il a 16 ans et qu'il est super actif sur la scène avec les techniciens d'ATS. Et que voilà, et que du coup, de tout âge, ouais, Samuel, et que de tout âge, et ben, les gens, ils peuvent trouver leur place dans l'association, donc c'est bon. Et là, il y a les sandwichs en préparation. Vous allez en faire combien à peu près? On a prévu 950 par soir. Du coup, il y aura des sandwichs végétariens et brie beurre, on fait avec tomate et salade. Et puis sandwich beurre jambon fromage. Donc voilà, 950 par soir, on a prévu. Donc il y a du travail pour les bénévoles. Voilà, il y a de quoi faire. Heureusement qu'il y a une vingtaine de personnes pour nous aider pour les sandwichs, sinon ça aurait été un peu compliqué de faire 950 sandwichs. Ça se passe bien, bénévolat? Ça se passe très bien, il y a beaucoup de monde qui est venu pour aider, c'est super. Ça fait combien d'années maintenant que tu es bénévole pour la JAL? J'ai aucune idée, ça fait très longtemps. Ça fait quelques années maintenant, ouais. Bonjour Martine. Bon, tu vas me dire un peu toi, ça fait combien d'années que tu es bénévole pour la JAL maintenant? Ouais, je sais pas, 5 ans, 6 ans. Bon, et qu'est-ce qui te plaît en fait? L'ambiance. C'est vrai, on est au top ici? Ici, c'est au top. Dur mais une bonne ambiance. Ben, s'il pleut pas, ça sera pas mal parce que l'année dernière il a plu, on les a pas eu. Alors très bien. Je me languis. Ça va être bien pour le village, je pense. Ah, oui, les commerçants sont un peu dedans. Mais moi je suis complet déjà pour 4 jours. Ça sera bien. Demeurant sur la place, je me doute que je ne vais pas dormir de bonne heure. Et est-ce que ça te dérange finalement? Oh, une fois de temps en temps, c'est pas dérangeant. Au contraire, c'est un spectacle. Ça commence le silence de l'hiver. Hein?
c'est un cadence. Au ballon, t'es pas mort. Marsilien number one. Et pas toi, ben fracas. Aussi t'as un feuille avant. Quel impeccable. C'est la saga. Marsilien number one. In English, in Scottish. Andy Ball, Farandole. À l'arnaille. Pour le moi. Marsilien number one. C'est ni 3 millions de litres de pastaga. Même Paul Ricard a fini à l'Orangina. J'ai vu des MC essayer de nous tenir tête. Ils ont fini fribouillis derrière la buvette. Plus rien ne sera jamais pareil à Copenhague. Ils ne savaient pas qu'il fallait mettre de l'aigle. Même à Bombay, ils ont tenté de nous tester. Avant de tomber, ils criaient Massilia Namasté. Les Bretons et les Ch'tis ont fini écarlate. Même les Brésiliens sont repartis à quatre pattes. Un jour au fond de l'Ariège, un Rasta nous a dit: Massilia, respect, vous avez tombé Massensi. Il n'y a que les Corses qui nous donnèrent du mal. Mais au petit matin, ils chantaient tous en provençal. De Marseille en Morée, même en Mongolie. Quand tu diras bonjour, on te criera Ayoli. Au micro, au stylo, au mic.